Bonsoir, c'est Jazzomania. Avant de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'Hervel. C'est mon ami Manu que je retrouve avec plaisir qui est aux manettes. Alain, votre serviteur, bien sûr, derrière le micro. Je vous propose de commencer tout de suite par ceux qui ont fait l'histoire du jazz. Et on va parler ce soir de Benny Moten, décédé le 2 avril 1935 à Kansas City, dont il était natif. Il avait commencé à jouer du sax baryton à l'âge de 12 ans dans des fanfares locales. Et puis, il se met au piano grâce à sa maman, qui est elle-même pianiste. Il commence à enregistrer en 1923 avec une petite formation, et puis au fur et à mesure des années, ses enregistrements s'étoffent avec des musiciens supplémentaires dont fera partie le grand Count Basie. Après Hawkes, il rentre chez Victor en 1926, le RCA lui ajoutera toute sa confiance, et puis il restera jusqu'à la fin de sa vie, il restera donc avec ce label. Il avait inventé un petit peu le style swing de Kansas City, qui était un mélange de blues et de jazz, et avec beaucoup d'à-propos, on va le retrouver dans cet enregistrement effectué bien sûr pour Victor. Le 13 décembre 1932, il réunit son Benny Moten's Kansas City Orchestra pour nous interpréter une composition de William Basie et de Eddie Durham qui s'intitule Lafayette. Oh,
agréable ambiance créée par les musiciens du Benny Moten's Kansas City Orchestra. Benny Moten, lequel on rendait hommage, disparu le 2 avril 1935, il n'avait que 41 ans. On les a enregistrés à Camden pour le label Victor le 13 décembre 1932. Benny Moten était donc à la direction de cet orchestre. C'était Olive Speth qui était avec John Case et Prince Stewart aux trompettes, Dan Miller au trombone, Eddie Durham était également au trombone, Eddie Barfield était à la clarinette et au sax alto, Jack Washington au sax baryton, Ben Wester était au sax ténor, on vient, on l'a entendu abondamment dans ce thème Lafayette, composition de William Bessie et Eddie Durham, Count Basie justement était au piano déjà, et Leroy Buster Berry était à la guitare, alors que c'était Walter Page également magnifique, meneur de petite formation qui était à la contrebasse avec Willie Mac Washington à la batterie. Notre page blues maintenant elle est d'actualité puisque eh bien il reprend une tournée en France. Il s'agit de Mighty Mo Rodgers qu'on aime bien ici au Havre. Il vient assez fréquemment. Je vous propose de le retrouver dans un extrait de son dernier album qui s'intitule Moon Blue, enregistré sur Dixie Frog en janvier 2014 au Tintin Studio. On le retrouve avec une composition qui s'intitule The Ghost of Highway 61. Highway 61 was darker than the night. I could barely see ahead when something gave me a fright. I slammed on my brakes. A man was in the middle of the road with a guitar in his hand. He was black and he was old. To the ghost of Highway 61. Yes, I did. I jumped out to help him, 'cause I almost ran him down. He smiled and said, I've been waiting for you to come around. Well, I know this sounds crazy, but I gave that old man a ride. I was scared and he read my mind and said, don't worry, it'll be all right. Well, I gave all right that night to the ghost of Highway 61. Yes, I did. De l'album Mike Blood enregistré pour le label Dixie Frog en janvier 2014 au Tim Studio. On vient d'écouter Mike Mo Rodgers qui nous a interprété magnifiquement cette composition The Ghost of IT 61, cette fameuse route 61, avec Butch Moston qui était à la guitare, Willie Sharp à la basse et Burrell Drummond était à la batterie pour l'accompagner. Un autre hommage maintenant avec un fameux saxophoniste qui a fait son image avec le mouvement de la côte ouest. Il s'agit de Bud Chang, disparu le 2 avril 2009. Il avait 83 ans.
Il avait commencé à apprendre la clarinette à 10 ans, puis à 14 ans, il apprend le saxophone. Et ensuite, à 21 ans, il joue et commence à s'instruire dans l'enseignement de la flûte. Il étudie l'arrangement et la composition avec Shorty Rogers, qui est une belle référence. En 1947, il rentre chez Charlie Barnett, qui l'embauche. Et puis, quelques années plus tard, en 1950, pour 2 ans, il reste chez Stan Kenton. C'est, on va dire, une des filières des musiciens de la West Coast. Et puis, c'est l'aventure, justement. Il rejoint Howard Ramsey, qui, avec son cabaret, le Howard Ramsey Like House, eh bien, l'accueille pratiquement tous les soirs. Il s'associe avec Lorindo Almeida en avance sur ce que pourra produire avec son album Jazz Samba Stingues, puisqu'il s'alliera à Lorindo Almeida pour produire, eh bien, véritablement le premier album où s'illustre la musique brésilienne et le jazz. En attendant, je vous propose de le retrouver dans une de ses multiples sessions qu'il a effectuées pour le label Pacific Jazz avec son quartet, 25 janvier 1956. On le rejoint donc avec Claude Wilson au piano, Don Prell à la contrebasse et Chuck Flores au drums pour nous interpréter une composition de Duke Ellington et Bob Russell, Do Nothing Till You Hear From Me. But we'll be right back.
certainement l'un des meilleurs saxophonistes des années 50 sur la West Coast, disparu le 2 avril 2009, il valait bien cet hommage. Il avait 83 ans, décédé à Tucson en Arizona. On vient de l'entendre donc dans une de ses innombrables sessions qu'il a effectuées pour le label Pacific Jazz à Los Angeles le 25 janvier 1956. Il était avec son quartet, avec Claude Williamson, avec lequel il a beaucoup joué, qui était au piano, Don Poel à la contrebasse, et Chuck Flores était à la batterie pour l'accompagner avec son saxo alto. Et dans cette composition de Duke Ellington et Bob Russell intitulée Do Nothing Till You Hear From Me. Dernier hommage maintenant avec un immense batteur de l'air swing, il s'agit de Buddy Rich, décédé le 2 avril 1987, il avait 70 ans à Los Angeles. Il avait commencé sa carrière comme musicien à l'âge de 21 ans et en 1938 il commence avec Benny Goodman, ce qui est une bellette de référence, et puis il enchaîne en 1939, il rentre chez RC Show, ensuite eh bien, il rejoint Tommy Dorsey pendant 3 ans, 1939 et 1942, et puis c'est retour de l'armée, eh bien, il reprend avec Tommy Dorsey pour entre 1944 et 1946, et puis ensuite, eh bien, au début des années 50, il forme son premier big band. Mais là, je vous propose dans un exercice qu'il affectionnait de temps en temps. Il poussait la chansonnette et on va écouter Buddy Rich, eh bien, tiré d'un album qui s'intitulait Just Sing. Donc, il va chanter avec cet enregistrement effectué pour Verve à Los Angeles le 31 janvier 1957. Il est accompagné par Paul Smith au piano, Ward Roberts à la guitare, Joey Mondragon à la contrebasse et Alvin Stoller à la batterie. Ce ne sont pas des manchots et des musiciens de qualité. Je vous propose de l'écouter dans cette belle mélodie de Jan Swiss qui s'intitule Can We Be Friends, Buddy Rich. I thought I'd found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong, not for long. I can't see the way it ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Why should I care? Though she gave me the air, why should I cry, heave a sigh, and wonder why? I thought I'd found a girl I could trust. What a bust, this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Trust. What a bust.
This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Eh oui, Charlie Buddy Rich qui nous a emmené dans son univers vocal avec cette interprétation de Can't Be Friends, célèbre thème de James Swift, qu'il avait interprété pour un album vert qui s'intitulait Just Sing. Tout simplement, l'album, eh bien, ne comporte que du Buddy Rich chantant, enregistré à Los Angeles le 31 janvier 1957. Il vient nous interpréter Can We Be Friends, donc qui est avec, accompagné par, magnifiquement par Paul Smith, qui a été longtemps l'accompagnateur d'Ella Fitzgerald au piano. Howard Roberts était à la guitare. Joey Mondragon, auteur de d'innombrables séances sur la côte ouest, était à la contrebasse. Et Alvin Stoller, musicien réputé, ô combien très très bon batteur, l'accompagnait donc dans ce beau thème. Et on a découvert un Buddy Rich, eh bien, chantonnant la romance. On va continuer avec une nouveauté dont on a déjà écouté un extrait la semaine dernière. Il s'agit du dernier CD du Louisiane & Co. Enregistré le 4 mars 2018, l'album vient de sortir. Il s'appelle Songe d'automne et il commémore en même temps les 10 ans de cette formation locale qui amène la joie et la bonne humeur à chacun de ses concerts. Enregistré au PDMA de Lillebonne, je vous propose de retrouver un thème de Duke Ellington et Irvin Miles qui s'intitule « The Mouche ». Thank you.
écouter Jazzomania sur Ravel. Et on vient d'entendre la dernière production, le dernier CD du Louisiana Co Jazz Band, Songe d'automne, qui est paru sous le label Louisiana Co, enregistré au PDMA de Lillebonne le 4 mars 2018. On vient d'entendre donc cette formation emmenée par Sébastien Guillemard, qui donne vraiment beaucoup de lui-même à la trompette, qui est le leader de cette formation. Alexandre Lelomier était à la clarinette et au saxoprane, Bruno Durand au trombone, Thierry Godard au sous-bassophone, Pascal Euzé était au piano, Patrick Herbineau était à la batterie, et c'était Laurent Bézot-Maillard qui tient la partie banjo et guitare en nous interprétant The Mush, célèbre composition de Duke Ellington et Irving Smile. On va parler rapidement de l'actualité. Cette semaine, eh bien, c'est au Conservatoire Arthur Honegger que ça se passe, mercredi 3 avril, à 21h. C'est un horaire intéressant puisque vous pouvez passer donc une partie de la soirée. Eh bien, ce sera le trio de Julien Mocara qui s'y produira avec Nicolas Talbot à la contrebasse et Pascal Vigier à la batterie. Ils vous attendent donc à partir de 21h. Ce sera en plus une jam session qui sera ouverte à tous. Vous pourrez donc revenir avec votre instrument avec cette jam session. Alors ça se passe au Conservatoire Arthur Honegger, 70 cours de la République, et puis la jam session se déroulera au Nomade Hotel 5 rue Magellan au Havre. Donc c'est mercredi 3 avril à partir de 21h. Et puis le 4 avril, donc le lendemain, c'est jeudi 4 avril, 19h, c'est le jazz en entrée. Eh bien, il y aura un hommage à Benny Goodman et Charlie Christian qui sera donné avec l'excellent clarinettiste Gilles Véron, qui rejoindra bien sûr Pierre Touquet à la guitare, Frédéric Lemarchand à la contrebasse et Dominique Diouf à la batterie. Donc, c'est le jazz en entrée. Vous savez, c'est au théâtre Sarah Bernard à Sainte-Adresse, 43 rue d'Ignoval. Vous connaissez l'endroit. C'est un moment agréable à passer. Ça se déroule à 19h, jeudi 4 avril. Et pour l'évoquer, eh bien, on va retrouver bien sûr les deux compères Benny Goodman, Charlie Christian, Benny Goodman avec son sextet enregistré pour Columbia à Los Angeles le 11 juin 1940. Il fallait faire vivre car malheureusement la carrière de Charlie Christian était éphémère. Écoutons ce Six Apple, composition de Benny Goodman. Thank you.
Goodman, enregistré pour le label Columbia le 11 juin 1940 avec l'étonnant et grandissime guitariste Charlie Christian. C'était Lionel Hampton qui était au vibraphone, Dudley Brooks était au piano, Artie Bernstein était à la contrebasse et Nick Fatoul était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Benny Goodman qui s'intitulait Sex Appeal. Eh bien, vous pourrez retrouver donc cette ambiance jeudi 4 avril à 19h au Théâtre Sarah Bernard avec ce jazz en entrée puisque Gilles Véron à la clarinette et Pierre Touquet à la guitare, accompagnés de Frédéric Lemarchand à la contrebasse et de Mickey Ouf à la batterie, retraduiront eh bien cette ambiance avec cet hommage à Benny Goodman et Charlie Christian. Dernière cela, eh bien, une adorable redécouverte puisque notre ami Georgie Pujol est en train d'éditer une série de jazz vocal en hommage aux femmes vocalistes qui ont bien souvent n'ont effectué qu'un enregistrement, mais un très très bel enregistrement comme c'est le cas ici avec la chanteuse Janet Brace. Un album qui s'intitulait Special Delivery, qu'elle avait enregistré pour le label ABC Paramount, le label qui était à un moment eh bien, celui de Ray Charles. Et je vous propose de la retrouver avec d'étonnants musiciens comme Don Elliott et puis le guitariste Joey Puma, avec un thème de Jules Stein et Sammy Kahn qui s'intitule Time After Time. Janet Brace. Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show you've kept my love so young, so new. Chanteuse Janet Brace qui renaît un petit peu grâce avec cet album Special Delivery qui est repris par Fresh Sound Records et sa belle série, nouvelle série accordée au jazz vocal féminin. Cet enregistrement qui avait été effectué pour le label ABC Paramount à New York le 20 mars 1956 ressort grâce donc à Jordi Pujol et son merveilleux label. Don Elliott était à la trompette, Bob Corwin était au piano, Joey Puma à la guitare, Ernie Furtado était à la contrebasse et Jimmy Campbell était à la batterie pour l'accompagner dans ce très beau thème de Jules Stein et Sammy Kahn, Time After Time. On en arrive maintenant à notre premier coup de cœur de ce mois d'avril, et oui, les mois changent et les coups de cœur également. On va retrouver cette fois-ci un trio avec une formule orgue, guitare et batterie qui est encore une belle réussite.
Vous savez, on avait déjà eu il y a 2 mois de cela, eh bien, un merveilleux aperçu avec un autre trio dans le même genre qui avait été notre coup de cœur. Eh bien, cette fois-ci, on retrouve Emmanuel Becks avec son orgue, Philippe Catherine à la guitare et Aldo Romano au drum. Ces trois-là, eh bien, se connaissent depuis déjà quelques temps, une vingtaine d'années. Et enfin, ils sont réunis dans le même studio. Et c'est le Sunset, le célèbre club parisien, qui leur prête les lieux pour un enregistrement live en septembre 2018. L'album vient juste de sortir. C'est donc une belle nouveauté et puis une agréable surprise. Les musiciens ont composé chacun 3 thèmes. Il y en a 9 dans cet album. Je vous propose d'en écouter un premier ce soir avec cette composition d'Aldo Romano qui s'intitule Elsa M. Thank you.
écoutez Jazzomania et l'on vient d'entendre notre premier coup de cœur du mois d'avril. C'est une belle surprise. L'album, on pouvait pas trouver meilleur titre, s'intitule La Belle Vie. Il a été enregistré pour le label Sunset Records, Sunset qui a accueilli justement les trois musiciens en septembre 2018 pour accomplir, eh bien, cette session. Emmanuel Beck, c'était alors, bien sûr. Philippe Catherine était à la guitare et Aldo Romano était au trombone. Ils nous ont magnifiquement interprété cette composition d'Aldo Romano qui est intitulée Elsa M. On la retrouvera donc la semaine prochaine avec la même formation, bien entendu. Le deuxième coup de cœur, eh bien, c'est un retour, c'est une production assez bizarre car l'album date a été enregistré le 5 novembre 2013 dans les studios de la radio danoise et il sort juste maintenant en 2019. Il s'intitule New York Story et nous permet, eh bien, de retrouver une belle chanteuse par le physique car elle était très agréable et puis également une belle voix qui est une voix accomplie. Elle fait ses classes dans les clubs new-yorkais, elle séjournait longtemps avec des tournées européennes et puis elle est à Berlin, elle effectue l'enseignement vocal. Il s'agit de Judy Nimac qui était venue il y a déjà pas mal de temps au Havre lors d'une soirée enregistrée au MJC et puis eh bien, elle est aidée dans cet enregistrement par celui qui l'avait convaincue de ce projet, de l'accompagner avec l'orchestre de la radio danoise, il y a quand même 20 musiciens. C'est Gene McNeely, excellent pianiste qu'on avait eu le plaisir de voir avec Stan Getz ici au Havre, eh bien, qui est l'arrangeur et puis le directeur de cette formation emmenée par Gene McNeely, qui est composé bien sûr de musiciens nordiques, suédois et danois. Et on va la retrouver avec de très jolis thèmes, bien souvent arrangés. Là, elle a écrit les paroles justement d'un thème de Clifford Brown qui s'intitulait Daoud et qu'elle a intitulé I Should Have Told You Goodbye. C'est une belle surprise et puis ça nous fait plaisir de retrouver Judy Nimac qui est vraiment une chanteuse de talent un petit peu méconnue. Et bien, la mettre en avant, c'est notre rôle. On l'a retrouvée dans donc ce coup de cœur avec cet enregistrement donc du 5 novembre 2013 au studio 3 de la maison de la radio danoise. Judy Nimac. I should have told you goodbye, but I knew that the connection was dead. So I thought about what you said and went out of my head. I only wanted your name, cause the memory of our love is so clear. Don't you know that my heart is torn? Won't you drink to my tears? And my mind is on fire, cursing my blood desire. My soul is aflame. Tell me, is love only a game? I should have told you goodbye. That is all the truth, and love can be blind. Well, I was hoping you'd change your ways. I was sure you'd be kind. I still want to hold you, but you told me such a lie. I should have told you goodbye.
Plenty of thought. Boy, it really tied me up in a knot. And my thinking went round and round till the answer was found. You're as free as a bird. Those are the words that I heard. You're a beautiful one, ready to fly up to the sun. I should have told you goodbye. Écoutez Jazzomania, alors vient d'entendre notre deuxième coup de cœur de ce mois d'avril. L'album s'intitule New York Stories, il est paru chez Sunnyside, il a été enregistré entre le 5 et 8 novembre 2013 dans les studios de la radio danoise, et il vient juste de sortir. C'est un admirable album de Judy Limack qui s'est allié au pianiste, arrangeur et conducteur d'orchestre Jim McNeely, qui a réuni plus d'une vingtaine de musiciens pour l'accompagner, donc avec cette composition de Clifford Brown adaptée par Johnny Mac pour les paroles, qui s'intitule I Should Have Told You Goodbye, qui est tout simplement le thème d'Awood. On retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir, c'est une très belle découverte, cet album de Johnny Mac. Pour finir, eh bien, on va retrouver notre ami Stan Getz au Sir Morgan Cove de Worcester dans le Massachusetts. Le 11 novembre 1973, il réunissait Albert Daley au piano, Dave Holland à la contrebasse et Billy Hart à la batterie. Il va nous interpréter cette belle composition de Billy Strayhorn, Lush Life, Stan Getz.
Au Sir Morgan Cove, les spectateurs étaient ravis ce 11 novembre 1973 de voir le quartet de Saint Guest se produire avec Albert Delay au piano, Dave Holland à la contrebasse et Billy Hart à la batterie pour nous interpréter ce très beau thème de Billy Strayhorn, Lush Life. Ainsi se termine ce numéro 435 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 435. J'ai eu le plaisir de retrouver mon ami Manu à la réalisation ce soir. Alain, votre serviteur, bien sûr, derrière le micro. On vous retrouve mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.